Bonjour à tous, vous allez bien mes amis. Les tirages que je fais aujourd'hui, c'est pour 3 mois, les printemps, voir les signes de bélier pour vous, pour les printemps. Là, j'ai tiré déjà les cartes pour pas faire long les vidéos et je donne le conseil à la fin, qu'est-ce qu'il conseille les tirages pour vous, pour l'avenir, pour 3 mois. Pour les printemps, alors à partir maintenant. Les 9 d'épée, c'est le stress. Vous êtes beaucoup le stress dans le passé, passé proche. C'est un problème. Vous êtes coupé contact avec quelqu'un. Soit vous êtes triste par une séparation avec quelqu'un. Il y a un changement vraiment dans cette relation. Peut-être il y a une personne du passé qui vous êtes séparée, qui vous voulez peut-être libérer cette relation toxique ou un changement, vraiment un changement dans la relation de couple ou la relation sentimentale avec quelqu'un. Dans 3 mois, il y a une nouvelle naissance pour vous. Vous êtes passé à une prof peut-être. Problème avec quelqu'un ou problème peut-être professionnel et que je vois peut-être un nouvel contrat, un nouvel travail. C'est la fin, quelque chose qui vous stresse beaucoup. C'est peut-être la fin qu'un contrat, c'est un neuf de épée, c'est quelque chose que vous dormez pas ou stressez beaucoup par les changements. Les changements, c'est positif. C'est quelque chose qui est la fin à une situation douloureuse ou soit une rupture sentimentale. Les études de couple, c'est toujours dans le passé, quelque chose dans le passé. Et pour moi, il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer. Un prof, un stress, une responsabilité, un sacrifice que vous êtes sacrifié beaucoup dans une relation ou dans un travail. Et pour moi, il y a une nouvelle naissance de quelque chose de nouveau. Vous nous voulez votre vie changer quelque chose professionnel ou dans votre relation sentimentale. Il y a un projet que vous travaillez, soit avec une personne qui vous associe, ou soit un engagement avec une personne dans votre relation. Il y a un engagement pour faire un projet à deux, ou soit un engagement de couple. Il y a quelque chose que vous êtes envie de faire à deux, ou soit c'est dans le couple, il y a une stabilité professionnelle. Et si vous êtes une personne qui doute beaucoup dans votre relation, il y a un changement dans la relation. Peut-être vous sortez cette tristesse ou cette peur de perdre quelqu'un, soit vous êtes envie de faire un projet, que vous êtes très patiente avec ce projet. Et peut-être travailler avec quelqu'un ou faire avec quelqu'un, vous ne faites pas seul. C'est quelque chose qui change dans votre vie générale. Il y a beaucoup de, vous voyez, c'est beaucoup les cartes qui sortent, les papiers, c'est les changements, c'est les transformations. Et c'est comme commencer quelque chose comme à quelque chose de nouveau, quelque chose qui la fin à une séparation, peut-être un travail, séparation à une dépression, séparation à une maladie, séparation avec une rupture avec quelqu'un ou quelque chose dans le passé. Peut-être il y a un nouvel départ pour vous, une nouvelle naissance professionnelle, carrière, peut-être il y a un projet que vous êtes en vie. On verra les béliers pour les 3 cartes. J'ai tiré pour vous les conseils. Peut-être il y a un voyage intérieur de vos besoins, peut-être écrire une lettre à quelqu'un ou contacter avec quelqu'un. Et peut-être il y a un voyage que vous êtes ennuyé et peut-être vous demandez beaucoup cette voyage, est-ce qu'il est protégé, vous êtes protégé. Votre ange gardien, qu'elle protège pour ce voyage, soit le voyage intérieur que vous avez besoin de travailler sur votre blessure de passé, quelque chose dans votre vie sentimentale ou familiale, et vous êtes protégé à l'ange gardien qu'elle protège pour ce voyage. Alors, j'ai tiré encore les cartes de la fin pour voir les béliers encore s'assortir, demander les anges.
demandez les anges. Peut-être vous êtes une personne qu'elle prie beaucoup, qu'elle demande beaucoup. Le message, votre ange gardien qu'elle donne, si vous êtes voulu un changement, un transformer votre vie professionnelle, sentimentale, demandez l'aide univers qu'elle voit l'aide pour profiter le temps avec les amis, la famille. Si vous êtes aussi quelqu'un qu'elle demande beaucoup, les saintes, les Vierges Marie, elle est là pour protéger vous, peut-être protéger aussi les enfants. Il y a un succès pour vous, soit un succès par le voyage, un succès, un changement de travail, un succès peut-être déménager ou partir à l'étranger, c'est possible. Vous êtes une vie peut-être partir à l'étranger ou changer les villes ou changer les vies ou tourner les pages par une situation, à un divorce, à une séparation. Ça dépend de vous, c'est peut-être une vie peut-être déménager ou partir ou quitter le passé pour commencer une nouvelle vie. Et demander l'aide, demander peut-être l'aide de l'extérieur, soit vous demandez votre famille, ou soit à une personne, si vous êtes dans le couple pour un projet. Il y a un projet qui les protège, un voyage qui les protège. Si vous êtes, vous voulez changer la ville, ou changer les pays, peut-être vous êtes protégé. Si vous demandez, demandez l'univers qu'elle protège. Voilà les béliers, merci beaucoup si vous aimez partager cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas. Merci beaucoup.